Les citoyens et les citoyennes sont en droit de s'attendre d'être traités avec justice, respect et équité dans leurs relations avec l'administration publique. En vertu de la loi sur le protecteur du citoyen, toute personne, des corporations ou associations qui estiment avoir été victime d'une erreur ou d'une injustice peut porter plainte. Le protecteur du citoyen dispose d'un pouvoir d'enquête et s'engage à agir de façon neutre et impartiale. En s'appuyant sur des principes mis de l'avant dans un pacte social, le protecteur du citoyen propose à l'administration publique des guides d'action pour offrir des services de qualité à la population qui s'inspirent des règles suivantes. Les décisions rendues doivent non seulement être conformes à la loi, mais les décisions doivent aussi être raisonnables, justes et équitables. En vertu de la loi, le protecteur du citoyen intervient donc pour prévenir et corriger le non-respect des droits, les abus, la négligence, l'inaction ou les erreurs commises à l'égard des citoyens en contact avec un ministère, un organisme du gouvernement du Québec ou une instance du réseau de la santé et des services sociaux. Le protecteur du citoyen dispose d'un pouvoir préventif. Il peut intervenir de sa propre initiative et effectuer des enquêtes sur des problématiques majeures. Ses recommandations visent à apporter des solutions en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des services publics. Lorsque le protecteur du citoyen le juge opportun et dans le meilleur intérêt des citoyens, il propose des modifications au projet de règlement, au projet de loi ou encore aux directives et politiques administratives. Le protecteur du citoyen participe donc au renforcement de la démocratie et de la justice. Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel pour nous faire part de vos commentaires ainsi que vos questions sur le sujet de la capsule d'aujourd'hui.